You're looking to bed, your mother will be gone. Death never takes a vacation in this land. But it won't give you time to get ready in this land. Well, it won't give you time to get ready. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du Call of Duty WW2. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois, on était du coup allé dans une forêt. Après Aix-la-Chapelle, plus rien ne sera pareil. Voilà. Mais nous avons fini par mettre un pied en Allemagne. Bon, ça vous l'avez vu, c'est juste un petit récap, l'histoire, voilà, parce qu'après vous avez vu tout l'épisode entier, hein, je suppose que vous avez regardé le let's play, hein, et sinon qu'est-ce que vous foutez ici, hein, on regarde déjà le premier épisode, ça commence très bien, et donc du coup, Toujours pas de nouvelles de Pearson. Ah, déjà, je suis pas ça, et donc du coup, à la fin de l'épisode, souvenez-vous, on était du coup avec Turner et le mec qui prend des photos, là, je sais plus comment il s'appelle, et sauf que Suzman était parti avec Pearson, et puis si vous vous souvenez, il y a très loin dans un épisode, je sais plus lequel, il me semble que Pearson avait perdu son escouade tout entière, il était le seul survivant, donc est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'en vérité Pearson n'est pas un nazi infiltré dans les rangs de l'armée américaine? Est-ce que c'est peut-être une théorie? Et donc du coup on se retrouve sur Colline 493, 14 novembre 1944. Toujours pas de nouvelles de Pearson. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais son dossier n'est pas brillant. Si t'étais là, Paul, tu le remettrais à sa place. J'espère que Zussman et Aiello tiendront jusqu'à ce qu'on puisse détruire ses canons ensemble. Il me semble que c'était, ouais, donc Zussman et Aiello qui a été du coup aller avec Pearson et en espérant qu'ils soient pas crevés, parce que bon, Zussman, c'est un poteau, quoi. C'est, voilà. C'est notre pote et je vais vérifier encore si mon micro est allumé. Commencez la mission, c'est parti. Dagwood White Dog 1-6, demandons une vérification de communication, vous me recevez? Chef, si je peux me permettre, on devrait peut-être rejoindre le point de rassemblement. Pas encore. Pearson va arriver. Chef, c'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Catherine. Un jour, Daniels, quand tu monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Mais tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Dites ça à Pearson. Le sergent Pearson... prie pour jamais être à sa place. Mon lieutenant! On vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson est avec eux. Quoi? Il a pris nos gars et la deuxième section. Prenez vos armes! On y va! Suivez! Allez! Allez! Peut-être que Pearson est resté en bas de la colline! Mais c'est plus la question, là! Contentez-vous d'avancer! On dirait nos gars! Daniels! Tout va bien? Je vais bien. Et les autres? Partis à l'assaut avec Pearson. On l'a supplié d'attendre des renforts. Cette foutue tête de mule. On reviendra te chercher. Vite! Faut les aider! On va aider notre amour de notre vie. Suzman, j'arrive. À couvert! Barrage d'artillerie! Toi, le mec il se met un peu mieux de mon tir. Je pense que le mec était déjà mort en fait. Polissez pas!
Aïe, ça pique. Ah, y'a un mec là-bas, ok. Ok, déjà c'est un peu plus facile. Mais sérieux, le mec il se fout derrière un tronc alors que je suis face à lui. Je vais en charger dans le loot. J'ai presque plus de vie, quoi. Non. Il est mort. Ah bah attends, y'a un mec qui était devant. Une mitrailleuse, descends là. Allez. J'ai besoin de munitions, lieutenant. On va en prendre au cas où. Secours. Oh nice. Je la joue. Menace éliminée. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'était pas ma guerre. Daniel, vous êtes passé. Content de te revoir, l'ami. Pearson, qu'est-ce qui vous a pris? J'ai accompli ma mission. On a besoin de notre sapeur pour faire sauter cet avant-poste. C'est pas encore fini. Daniel, escorte Parker. Tu dois poser une charge d'explosifs sur ce bunker. Oui, sergent. Hein? Daniel, dis-moi quand t'es prêt. Baisse-toi et vas-y. On avance. Allez, tu veux faire Je peux comprendre, mais j'y vais. J'y vais. Ah, mais non, mais j'étais derrière un arbre. Oh, le mec, ça y est, il devient X-Men, il tire à travers les arbres. Baisse-toi et vas-y. On avance. Allez. Secours. Je crois pas. Il le fait en fait. Allez. Je compte. Avancez en file. Vas-y, Parker. Parker est à terre. Daniels, prends les explosifs et fuis le boulot. D'accord, couvrez-moi. Je récupère la charge. Bien compris. On neutralise le bunker. Daniels, ramasse cette charge et les... Aïe. J'y vais. J'ai besoin d'un tir de couverture. Daniel, le
Dépêche-toi de poser cette charge. Explosif en place! À couvert! Allez, go! C'est parti, bon, j'ai. Ça fait que j'ai tué un mec, mais. On a une zone d'y aller, mais. On y va! Combien on a perdu d'hommes? On a accompli la mission. Combien? Les ordres étaient de prendre cette colline! Vous auriez dû attendre! On pouvait pas! Et nos hommes? On avait des ordres! Je les emmerde, nos foutus ordres! Vous croyez que c'est ce que je voulais? Hein? On n'est que des rouages, Joseph! Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe, mais peut-être que vous l'aviez oublié! Ce sont nos hommes! Nos hommes! Vous l'oubliez, ça? Ces 150 bombardent toujours nos positions! On repart! Il faut en finir! Daniel, les pièces d'artillerie sont droit devant, ouvre cette porte! Ah d'accord, donc c'est moi qui fais tout le boulot en fait, c'est ça? Bon, moi j'ai tué un mec, bon. Allez, je peux bien faire ça. Je suis au complet là, je suis fou. Ah ouais. Non, moi je vois mon Suzman. Il est où Suzman? Oh, j'ai éteint Suzman. Ouvre la porte. Eh, c'est bon. Eh, d'où tu me commandes? D'où tu me commandes? D'où tu fais ça? D'où tu fais ça? C'est bon, je vais ouvrir ta porte. Les gars, pourquoi c'est moi qui ouvre la porte là? Ok. Ok, merci, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de mec. Pyromane devant. Oh! Barbecue, parti. Oui! Allumez le feu. Ouvre cette porte! Ok. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Autour du canon.
J'ai tellement su. Pourquoi il pas... pourquoi il sort pas le truc? La charge est posée. On a encore de la thermite. Ça se passe pas. Il faudra bien. Pearson et moi, on va attirer ces tirs. Daniels, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Ah mais... comment je vais improviser? L'improvisation. On a encore de la thermite. Ça ne suffira pas. Il faudra bien. Pearson et moi, on va attirer ces tirs. Daniels, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Off. Oh, oh non. Allez, partir, partir, détruire. On a encore de la thermite. Il faudra bien. Pearson et moi, on va attirer ces tirs. Daniels, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Mais non, 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 mais non. On a encore de la thermite. Ça ne suffira pas. Il faudra bien. Pearson et moi, on va attirer ces tirs. Daniels, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Ok, ok, on y va petit à petit. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'eux. De ce que je peux mettre. De ce que je peux mettre les aigles, mes armes que j'ai là. Puis ensuite seulement. Vas-y, vas-y. Non, j'ai pas réussi, non. Oh, mais non. J'en ai marre. On a encore de la thermite. Ça ne suffira pas. Il faudra bien. Pearson et moi, on va attirer ces tirs. Daniels, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Ok, bah là je sais pas quoi faire, attends. Merci, voilà. On va prendre notre sang. Ah non.
tu vas bien? Ça aurait pu être pire. J'ai pris mon temps, attends. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai pas compris, là, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Le phare est toujours opérationnel. On est à l'abri. Oh merde! Mais attends, mais il était devant en même temps! Le phare est toujours opérationnel! On est à l'abri! Le phare est toujours opérationnel! Mais... Le phare est toujours opérationnel. On est à l'abri. Non. Si, ce sera un ennemi. Tu vas bien? Ok. Tant mieux. Voilà, c'est parfait, on a une touche de secours. Voilà. Hop là. Il veut qu'on te balance du gaz là, non? Ah, faut encore... Putain. Aïe. Hop. J'ai presque plus de mine là-dedans. Ah mais oh. Eh mais il me faut chier, je peux jamais tirer. Oh, attends, déjà ce que je vais faire c'est que je vais chercher du soin. Il me faut cette trousse de secours. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est pas vu. Ok, bon bah j'ai plus de trousse de secours, super. En voilà par ici. Y'a pas une trousse de secours par hasard? Non, y'en a pas. Tant pis. La concentration se lit sur mon visage, même si vous voyez pas mon visage. Je suis tenté d'avoir,
Oh punaise, Mais... Ah putain, mais... Mais ils sont... Combien, là? Oh. Ouais, bah si tu décèdes pas avant... Excusez-moi si on voilà. Mais oh putain. Vite, vite, vite. C'est chaud mais Repliez-vous. Oh non. Je vais y passer. Laisse-moi ici. Non. Une question. Allez. Ceci doit vous revenir. Va-t'en. Tu vois, c'est un tout nouveau monde, Daniels. Mon monde. Et je peux vraiment te jurer que je suis pas prêt de me défiler ou de fuir la moindre de mes responsabilités. Je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton devoir. Maintenant, hors de ma vue. Turner est mort en nous couvrant pendant notre fuite. C'est dur de l'écrire et de vivre avec. Il s'est assuré qu'on pourrait fuir et que le convoi serait protégé, alors on n'est pas mort en vain.
Enfin, c'est ce que je continue de me répéter. Oh non. Oh non, Turner, mais non. Le mec, en plus, il était avec nous pour sauver des civils. Il était, oui, il faut qu'on soit les... Oh putain. Oh la fin de la vidéo. La vidéo se finit bien, quoi. Oh putain, la vache. Eh bien, écoutez, les amis. Je pense qu'on aura d'autres morts comme ça. Pendant le let's play, c'est sûr, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous aimez bien ce personnage. À vous abonner, c'était Dark Knight sur Tone Peace.